Marcher par la foi plaît à Dieu. En d'autres termes, seule la marche par la foi peut plaire à Dieu. Car, non, Hébreu chapitre 11, excusez-moi. Hébreu 11, le verset 6. Le verset 6 dit non. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Marcher par la foi plaît à Dieu. Dans le message aujourd'hui, je vais essayer de garder ensemble avec nous certaines étapes de la foi. Brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois. Environnés de leurs grandes nuées, les regards sur Jésus, chef de la foi. Amen. Brûlant nos âmes, flamme sacrée, et nous suivons les témoins d'autrefois. Environnés de leurs grandes nuées, les regards sur Jésus, chef de la foi. Merci Seigneur, parce que ou même qui chef la foi, on va permettre que foi non les grandir dans le moment ça et pour nous continuer à marcher avec vous uniquement par la foi pour nous faire plaisir. Amen. Marcher par la foi plaît à Dieu. Absolument rien. 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 Pas qu'a fait bon Dieu plaisir. Seule la foi qui a fait bon Dieu plaisir. Bon Dieu venez l'église là. Est-ce que vous entendez ça? Rien. 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 La religion, pas qu'a fait bon Dieu plaisir. Parce que la religion, son système que nous avons installé pour bloquer la vérité biblique. C'est ça la religion. Ça fait m'exhorter tout le monde qui est là aujourd'hui pour sortir dans la religion, pour entrer dans Jésus de Nazareth. Parce qu'en pile de nous religieux, mais nous pas chrétiens. En pile de nous religieux, mais nous pas de communion avec le Seigneur. Ou qu'à religieux, ou qu'à baptiste, ou qu'à adventiste, ou qu'à pentecôtiste, mais nous pas de relation avec bon Dieu. La religion pas qu'à plaire bon Dieu. Non. Il y a qui mettent dans la tête surtout que la nationalité, l'héritage, ils sont capables de faire bon Dieu plaisir. Juifs, ils ont quoi ça? Ça fait dans Galates chapitre 3, dans verset 28-29, Paul exhorte pour dire c'est pas une question de juifs ni grecs, mais force là, c'est dans Jésus de Nazareth lié. C'est pour question de femmes, de garçons. C'est pour question de pasteurs. C'est pour question de diacres. Force là, en Christ lié. Parce que l'héritage spirituel, soit hérité de grands-parents ou de parents, pas capable de faire bon Dieu plaisir. Chers amis dans le Seigneur, les œuvres, les bonnes œuvres, pas capable de faire bon Dieu plaisir. Si c'est les œuvres que vous mettez devant, vous pensez à faire pour le faire bon Dieu plaisir, c'est faux. Ça fait Paul dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, personne ne sera justifié devant Dieu
par les œuvres de la loi. Et Christ dit aussi avant Paul, par la bouche de Paul, Christ même parlait de la grâce. Tu commences à parler de la grâce, mais Paul vit de tandis, dans Ephésiens 2, il dit ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que quelquefois, nous faisons des bagailles pour mon Dieu, et puis nous pensons, nous faisons l'estomac, nous, ah mon cher, je me sens que je fais ça bien. Non, ce n'est pas soi faire qui va frapper les soins à coup, c'est grâce, mon Dieu, fait là. Parce que chaque monde qui a fait des bagailles pour mon Dieu, c'est grâce, mon Dieu, fait. Est-ce que l'église l'attendait samedi là? Souvent, quand on peut chanter, belle bagaille, gloire à Dieu, mais c'est grâce, mon Dieu, qu'il faut chanter. Ou pas qu'à chanter, ou pas qu'à prier, ou pas qu'à faire rien sans grâce, mon Dieu. Bref, ce ne sont pas ces œuvres là, c'est pas eux-mêmes. Non, ce ne sont pas les œuvres qui plaisent, mon Dieu. Et pour, pendant que je dis ça, Matthieu chapitre 7, il monte dans la tête, moi. Quand il y a une équipe qui vient camper, pour plaider avec Christ. Vous avez dit, Seigneur, nous avons chassé des démons par ton nom. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons fait des miracles par ton nom. Mais le Seigneur déclare, je ne vous connais pas. Vous avez fait des œuvres. Vous avez fait de grandes choses. Mon acclamé, applaudi. Parce que l'on a dit, malade, levez marcher. À tout le monde content. Je dis, oui, mais avec bon Dieu. Et pourtant, bon Dieu a fait ça. Christ ne reconnaît pas. Chers amis dans le Seigneur, faut prudent, oui. Faut prudent. Il va tout le temps un miracle pour voir ce Christ-là. Go pas quel côté un miracle. Christ va jamais dans non? Des miracles, il y a un diable. Parce que le diable fait des miracles aussi. Des miracles, des impositions, des mains, en pile côté dans eux, il y a un esprit qui campe derrière eux. La paix, bon, Jacques, l'église là, oui. En pile, nous fout des miracles. Vous connaissez ça. En pile, nous déboutons, nous disons, mi, et puis nous courons. Nous avons un là. Nous avons un rack. Mi, rack, et puis nous courons. Nous avons même temps, non? Eh bien, faites attention. Parce que ce ne sont pas les œuvres qui justifient devant le Seigneur. Me fais introduction ça pour me dire clairement, c'est seule la foi qui a fait mon Dieu plaisir. Et c'est pour cela que l'auteur de l'épître aux Hébreux, lui déclarait dans Hébreux chapitre 11 verset 6 là, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça veut dire si au monde, ou pas ramasser toute confiance ou pour déposer le sous mon Dieu, ou mettre n'importe qui, mon Dieu va avoir plaisir dans la vie. Il est impossible. Mais maintenant, nous parlons de la foi. Là, nous disons que c'est seule la foi qui a fait mon Dieu plaisir. Mais la foi, il y a plusieurs étapes. Regardez le texte là, bien, dans verset 10 là. Bon, premier bagage, il dit, car il faut que celui qui s'approche de Dieu, ça vous le fait. C'est pour le croire. Est-ce que l'église est avec moi là? C'est pour le croire. Qu'est-ce que ça pour le croire? Que bon Dieu, il est réel. Que bon Dieu, il est vrai Dieu. Amen, l'église. Et pas n'importe qui, non? C'est grand peu le monde qui croit. Mais ça, texte a dit, c'est pour nous croire que bon Dieu, il est le vrai Dieu. Et après, il parle l'autre. La parole de Dieu est dans il, mais Isaïe, chapitre 45, côté Dieu dit, hors de moi, il y a point de Dieu. Et bon, parle avec le monde dans l'assemblée. Si bon Dieu n'est pas de bon Dieu, quand on appuie ou même. Si tu as deux bons dieux, si tu as un bon Dieu faux, un Dieu, on va ceci, cela, un Dieu, monter, descendre, quand on appuie. Ne quoi bon Dieu, pas son Dieu constant. Son Dieu, l'entendé, il dit, quand t'es là, par un écart de racinelle. L'entendé, il chouqué au côté, par un écart de chouquelle. Ça fait la foi, nous pouvons parler de lui ce matin, sur la foi chouque-bois. Bon Dieu, bénis l'église là. Vous entendez comme vous la foi chouque-bois. Non, créons-le nous. Souvent, on est grand dehors, ça c'est qu'aux autres. On va prendre la chouque-bois. Même quand on chouque-bois, on est grand dehors, mieux. La foi chouque-bois. Constant pas qu'à dire par contre la foi chouque bois parce que n'est rendez pas rien mieux. La foi chouque bois. Sur la foi chouque bois, on n'a pas parlé de lui. Si vous voulez parler beau français, dire yon la foi ancre. Hein, on va parler français là. Yon va qui ancré en côté, pas gagné carré tiré. Ou même parler de langue bâtiment, n'est glambe, ou parler de langue bâtiment, la foi ancre. Yon va qui chouque,
pas rien cadre racinel. C'est de ça nous va parler ce matin. On la foi chouk bois pour connaître mon Dieu et même s'il tempête camper, pas rien caraché. La foi chouk bois. Et puis ça qui est important, quand on va le fixer foi ça, son côté même si pas rien cadre chouquel, nous parlerons les gros roches là. Amen l'église. C'est de foi ça, n'a pas le parler. Et ça parle et d'eau pour foi ou vinon l'autre bagaille. Parce que le monde actuel là, ou pas qu'à vivre là-dedans, c'est la foi. Le monde actuel, on met de l'argent, il faut gagner la foi. On met de la connaissance, il faut gagner la foi. On met de la force, il faut gagner la foi. Parce que le monde actuel là, si on pas dans la foi, ou pas qu'à quitter là-dedans. Seule la foi qu'à pour quitter. Alléluia! Seule la foi. Ok, pendant qu'on a parlé de la foi, ça, il faut que. Foi ça, nous elle diversifie. Bon type de foi, y aurait la foi intellectuelle ou bien la foi idéale. C'est pourquoi foi ça qu'on fait bon Dieu plaisir, non? La foi intellectuelle, la foi idéale, qui fait que ou un système religieux dans tête ou qu'à réciter bon Dieu par cœur. Ou c'est pour réciter bon Dieu, ou qu'à réciter bon Dieu, ou qu'à réciter la Bible, ou qu'à réciter tout le bagaille. Il faut qu'on ait bon Dieu par cœur. Il faut qu'on ensemble de théories de bon Dieu. Mais on pas qu'une expérimentation avec bon Dieu. Il y a une foi idéale. Il y a une foi intellectuelle. Il y a une tête où, là, bon Dieu, avec l'église là. Et l'apôtre Jacques parlait de cette foi là en Jacques 2, verset 19. Il dit, les démons croient aussi. Démons croient, oui. Même démons croient, oui. La Bible qui dit ça, oui. Jacques 2, 19 dit, les démons croient aussi. Et tellement croient, ils ont tremblé. Parce que démons connaissent que bon Dieu est vivant. Démons connaissent que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il a retourné. Démons connaissent leur sauver, pardon, un caractère salut. Démons croient ça et ils ont tremblé. Mais est-ce que démons sont sauvés? Est-ce que ça fait sauver pour ça? Non, ils ne sont pas sauvés. Ils connaissent pas que. Suivons bagay pour eux. Suivons bagay pour eux. Suivons bagay pour eux. Chaque fois le diable pour répondre à Christ dans une confrontation, ça l'utilise. La parole de Dieu, la Bible. Tellement, il connaît la Bible. Il récite. Est-ce que l'église l'ensemble avec moi jusqu'à présent? Il récite. Nous sommes noté dans une activité et puis avec un groupe de monde et puis une jeune fille là, un mauvais esprit qui attaque elle. Mauvais esprit a monté sous lui. Et puis, il commence à parler parole l'envers. Mauvais esprit ça commence à parler français. Dans la tête de la. Et puis, comme même pendant qu'il joue parlant avec mauvais esprit, je ne m'a fait dialogue avec mauvais esprit. Même si tu as une question quand même poser avant de faire le faire lui. Qui question poser? Je dis, mais pourquoi ça parle français? Il dit oui, parce que à chaque personne, à chaque caractéristique, chaque personne que je trouve, j'utilise la personne selon sa capacité. Comme si dans son universitaire, il était le compte français, mauvais esprit a utilisé français. Et puis, il dit, il a dit, bon, vous savez quoi? Je peux réciter le psaume 23. Le mauvais esprit peut réciter le psaume 23. La même chose avec l'église là. Il a récité le vrai, oui. Il a récité. Il dit non, ça c'est pas nécessaire. Tous ici nous connaissons le psaume 23. Maintenant, ce qui est important, tu dois quitter ce corps rapidement. Et puis tu dis non, pip, il tombe. Et puis nous ramasser. Et puis nous dans le bon sens, dans le nom de Jésus. Mais le mauvais esprit peut réciter tous les psaumes de la Bible. Parce que le diable a une connaissance idéale, intellectuelle de Dieu. Mais le pas qu'on est mon Dieu vrai. Je vous ai raconté cette illustration que je vais raconter. Vous comprenez ça, quelquefois, me raconter quelques bagailles. Hier soir, je m'appelais dans Philippiens chapitre 3, verset 1er. Moi, Paul, qui a dit comme ça, m'a retourné dire nos mêmes bagailles encore parce que c'est pour bien, nous m'a dit. Ça veut dire, même si je dis bagaille 10 fois, 100 fois, ça n'a pas de problème parce que c'est pour bien. Vous comprenez? C'est ça. Non. Un jeune garçon, nous fait de la Bible. Et puis, yo, monsieur passé par devant parce qu'il y a un concours biblique.
Yo ta men konn ki moun ki konn la parole de Dieu pi bien, ki ka réciter verset. Et bien je dis moi-même, je vais réciter le psaume 23. C'est un intellectuel, jeune garçon. Et puis, monsieur, pas un micro, il passait par devant, il bat un petit chelbet avant de commencer à parler. Et puis, il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est récité. Oh, diction! Et avant, monsieur, finir, il venait à moitié somnant. Assemblée à lever, camper. Le bat bravo. Il dit, monsieur, déjà gagné un concours. Et monsieur, fier. Parce qu'il connaissait le psaume 23. Il l'a récité. Moun yo content. M'sal chita. Et bien, yon ti grand moun, kap sot juste derrière. Tout a boité, a vini. Il dit, maman, fou koutou. Il dit, tout moun a dit, oh. J'en ai que ça a récité. Ça va, goun moun ki kabat li grand moun. Chita. Oh, il dit, non, m'a récité. Et monsieur pour mi quoi, il dit, m'pas kon français. M'a récité psaume ça. Dans la langue créole là. Et monsieur Pami quoi il dit, Seigneur, c'est gâteau moi. Oui, je ne vais jamais manquer rien. Et pendant que monsieur a récité, mon frisson qui a traversé l'assemblée, ce n'est pas même émotion, non? L'autre monde était content, bat bravo. Quelquefois, bat bravo à bon, mais les paroles à traverser, il fait frisson, prend. Go frisson qui traverse l'assemblée là, des monde qui a gueule de l'eau qui a coulé dans les yeux, même jeune garçon diction, de l'eau a coulé dans les yeux et tout. Il est fini net. Ben la fin de traverser monde, jeune garçon dit non, pas quitter ça comme ça, il passe et dit grand monde, s'il vous plaît. Moi si tu es somme moi je voltige au content. Même pas sentir ça font gros effet parce que ça c'est émotion. Même ou même réciter l'en façon, surtout en créole, puis go pareil qui traverse mon yo, même moi-même les traverser, bon secret. Comme on a dit, c'est pas qu'un secret. C'est que moi-même, peut-être ou même connaît le psaume 23. Moi-même, moi connais le berger du psaume 23. Parce que y'a une différence entre le psaume 23 et le berger du psaume 23. Ou quand nous sommes 23 paquets, l'on dans la situation tremblée ou ébranlée. Mais l'on qu'on est berger, pas qu'on est ébranlé. Il n'y a pas même bagaille, non? Il n'y a pas même bagaille. Vous connaissez le psaume 23, mais moi je connais le berger. La différence entre la foi intellectuelle, la foi idéale, avec la vraie foi. Ça, c'est une première caractéristique. Je vais parler bien vite avec nous. Pour nous, quatre caractéristiques, quatre étapes, bien rapidement, même si nous n'avons pas fait gros développement dans eux. Et deuxièmement, le type de foi, il est la foi temporelle. La foi temporelle. La foi temporelle, c'est une foi qui durait une période de temps. Un instant. Est-ce que l'Église est ensemble avec moi? Mène. Seigneur, oh, vous connaissez jamais des problèmes. Dame, on fait un cadeau caméra ça, besoin caméra ça. Mais quand fait une jeune caméra, ça pour faire la foi ça encore. Vous besoin encore? Non? Parce que vous t'avez utilisé pour un bagage spécial. C'est moi le voyager. Dame, on garde Kimbe vole machine non. Que garde un avion. Choisir avion à terre, choisir avion pour monter. De vous finir à terre, vous pas besoin de foi ça encore. Parce qu'il est là pour une période de temps. La Bible dit avec l'église là. Il a un objectif. Bon côté, il voulait arriver. Depuis le fin de arriver là, il est fini. Et pourquoi c'est foi ça que Jésus a énoncé en Marc 11, le verset 24, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que prier pour bagaille, c'est pour quoi qu'on déjà recevoir. Et automatiquement qu'on finit de recevoir, ou pas continuer à prier pour nous, pas vrai? Ou pas continuer à prier pour bagaille qu'on recevra déjà. Est-ce que l'Église est ensemble avec moi là? Croyez que vous l'avez reçu. Ça c'est temporel. Ça c'est dans une période de temps bien déterminée. Ou pas besoin pour tout temps. Croyez que vous l'avez reçu. Et l'apôtre Jacques, dans Jacques 1er, verset 6. L'Ipral dit, l'homme mandou bagay, c'est pour mander avec foi, sans pas douter.
Est-ce que l'église est avec moi jusqu'à présent? L'apôtre Pierre, lui parle parler de une foi qui résistait à toutes les intempéries. Et foi, ça n'a parlé de l'IA. La foi temporelle, lui réclamait la patience parce qu'en réalité, il faut tant que bagaille a accompli. Amen l'église. Ya. Yeah. L'on prie pour bagaille, ou bagaille, pas non prier pour l'IA, et vous dites, bon, que je t'aime prier. Là, je fini. Non. Il parle de un petit temps. On dit patience, on dit persévérance, jusqu'à ce que bagaille a fait. Combien de monde a la prière pour bagaille qui vient combien de temps la prière? Et bien obligé de continuer à prier jusqu'à ce que bagaille arrive. Pas dire la foi temporelle pas important nous, parce que pour nous vivre dans le monde ça, pour nous demander pour Dieu quelque bagaille, il faut nous appuyer sur la foi pour nous demander lire. Mais elle a besoin pour tant. Pendant que je dis tant, je songe à l'histoire d'un pasteur, non pas au prince. Et au pasteur, qui sortit la balle pour échanger côté, et monsieur a une machine, un grand nom, il n'a pas au prince. Monsieur a une machine, et puis, c'est sur le cafou, monsieur Téhé, monsieur n'a pas de moyen dans le même pour prendre un taxi, une camionnette. Et puis, il a marché, parce que l'église là, à une distance, mais il parle loin. Il a marché, il a privé, non, 25-30 minutes, il a privé. Pendant que monsieur est blanche, poche blanche, la marche pour le prêcher. Les gars des sous-boyers, ils ont servante que le reconnaître qui sont l'autre bord. Il dit, pasteur tel, tant, moi. Et puis, il traverse la rue, il vient de pasteur. Comme il connaît ses pasteur a un nom. Il dit, pasteur, ça n'a pas gagné comme le poche. Il dit, passe depuis matin, je n'ai gagné pour me prendre. Et si je ne pas rien. Comme moi, là, je dis, bon Dieu, me sauve. Pasteur a blanchi dans le poche. Passer à blanche, passer à pas gagner, mais c'est à vie demander. Passer à dire, mais moi-même, c'est un matin de bagarre dans mes bons dieux. Eh bien, nous sommes ensemble. Et au campé, là, il y a un petit palais, il faut marcher tout petit, il y a un petit palais. Mais passer à comme la veille et tout, passer là, une fois, veille, bon Dieu, venez de l'église là, la veille, est-ce que pas un bagarre bon Dieu va faire, il va venir rater. Et puis, pendant que le pasteur a marché, pas de croiser avec un nègre, il parle longtemps. Yo, et tel, quand on était. Monsieur dit, passe, c'est pas jeudi, je cherche où. Parce que monsieur, ça, t'es de passer en cob. Il dit, passe, je cherche longtemps, oui. Bah, j'aime quand je ne contrôle pas de numéro de téléphone, ou pas même adresse, mes genoux. Et le pasteur a dit, mais bon, c'est bon Dieu que vous là, pourquoi ça va, je dis, monsieur dit, oui, parce que c'est bon Dieu que vous parce que si comme là, même longtemps. Ma fille boli, m'a pas qu'on gode pour genou m'boli. Mais ti kob la passe. Là, ben ti kob la, parce que disque, nous t'apprenons ensemble, puisque nous t'apprenons ensemble, nous jouons ensemble, mais ti parti pour la aïe de gajo, moi m'allez, m'aille faire travail, bon Dieu. Ouais, pasteur attend, il passe, il connaît, bon Dieu, qu'a fond bagay. Ben quoi, c'est kob la, monsieur te doué là, qui bagay là, non? M'quoi, c'est bon Dieu même qui planifie, bagay la fête comme ça. Ge bagay qui pourri venir dans la vie, c'est bon Dieu pour planifier comme ça. C'est bon Dieu pour ranger le comme ça. Papa me ranger le comme ça. La foi temporelle, c'est la foi au besoin. Mais il parle la foi qui allait trop loin. Parce que quand on fait un résultat, la star. Quand la foi est de la foi occasionnelle ou bien circonstancielle. Foi ça a son foi. Les circonstances qui présentaient, ils grandissent. Mais après circonstances-là, ou pas elle encore. La même chose avec l'église là, oui. Foi occasionnelle, son groupe de monde qui poussait par une occasion, circonstance, pour croire dans mon Dieu, mais ils n'ont pas raciné dans la foi vraiment. Ils sont là pour une circonstance. Par exemple, mon avons être cher qui mourit. Et bien ça fait le mal. Il vient dans la solitude. Qu'on n'a pas de l'autre appui, l'oblige à croire dans mon Dieu. L'appuyer sur mon Dieu. Circonstance. Par exemple, mon malade. La maladie a pour gel. Et pas bien, il y a des confessions de Dieu. Comme ça, c'est là un problème. Là, il y a une circonstance, un bagage qui a traversé. Pas bien, il y a des confessions de Dieu. Comme ça. Oui, Seigneur, je ne peux pas délivrer. Je sais où je me compte. C'est où je me compte. Maladie a pour gel comme ça. Maladie a fait la prière comme ça.
Parce que l'état santé, il voltige à gauche, à droite, ou pas, mais il va dans le service, il va dans rien pour bon Dieu. Mais quand il est malade là, il connaît mon Dieu. Ça, c'est une occasion. La maladie, c'est lui-même qui fait ça. La paix bon Dieu avec l'église là. Et automatiquement, mon ça finit guéri. Ou pas prendre rien dans mon Dieu encore. Parce que fois ça, c'est fois occasionnel. Nous songeons les tremblements de terre passés en Haïti, 12 janvier 2010. Quand le tremblement de terre a fini de passer, tout Haïti est converti. Tout en battant de ses services. Tout le monde qui est un pasteur, ça a diac, ça a diaconesse. Tout le monde en battant de ses bon Dieu. Il a bien levé mon l'air. Parce que d'après vous pensez que c'est tremblement de terre, son bagage va continuer. Comme il y a un chat, il n'y a pas mourir. Donc il y a battu pour mettre foi dans mon Dieu. Pour s'il passe encore, il a sauvé. Mais là, il y a une suspecte. Pas de tremblement de terre encore. Ça que t'es volé, tourne dans volé. Ça que t'es cinglé d'eau, tourne dans cinglé d'eau. Ça que t'es macron dans l'ougaou, tourne dans l'ougaou. Parce que c'est l'occasion qui te fait croire dans mon Dieu. Il y a une foi occasionnelle. Je suis en décembre 99. L'église haïtienne, pas comme si c'était comme ça ici. L'église haïtienne n'a pas compté pour aucun monde. Décembre 99. Parce que d'après eux-mêmes, en l'an 2000, il y a la fin du monde. L'église n'a pas compté pour aucun monde. Là, vous avez l'église là. Je me souviens d'Adventiste, je débat une petite blague dans la ville au Cap. Alors, quand l'église Adventiste dans la ville au Cap, en temple, qui n'a en dans la ville là, les Adventistes disent, dans décembre, ils disent ça, dit, comme Jésus a tourné, c'est dans l'église ça, la descend. Il a paré pour protestants, qui pas jamais observer le sabbat. Mais le sabbat ne plaît pas à Dieu, ce n'est pas le sabbat qui sauve, il ne plaît pas bon Dieu. Il a paré pour protestants, il y a un gros bout de bâton là, depuis les protestants viennent cacher dans l'église là. Pour Christ, pour la laquelle, puis on flé protestant dans ma cap. En décembre 99. En pile monde, pour te bourrer l'église, il y a une foi occasionnelle, circonstancielle, parce que la fin du monde peut arriver, il faut nous placer confiance dans mon Dieu. Mais là, on vient de marquer 2000, 2001, 2000 ceci, 2000 cela, tout le monde fait bac encore. Il y a le côté où tu es sorti, parce que cette fois était occasionnelle. Bon Dieu, mais dit l'église là. Non, c'est une occasion. Nous n'avons pas quitté cette occasion qu'il faut servir mon Dieu. Nous n'avons pas quitté cette occasion qu'il faut appuyer sur mon Dieu. Nous n'avons pas quitté cette occasion qu'il rallonge une jeune mon Dieu. Nous n'avons pas servir mon Dieu, même si l'occasion est bon, même si il n'est pas bon. À son pile, nous l'église, cette occasion qui peut nous servir mon Dieu. C'est qu'on a un problème dans mon Dieu. Est-ce que l'église l'attendait ça, m'a dit là? Gloire à Jésus. Et finalement, nous ne servons pas bon Dieu pour nous sortir dans une situation difficile. Mais nous servons bon Dieu pour nous attacher avec lui pour l'éternité. C'est ça, elle est la foi réelle. Ou qu'elle est la foi authentique. Il y a des gens qui veulent porter la foi salvatrice. La foi réelle. L'authentique. C'est ça, auteur, épître hébreu a dit. Dans Hébreu 11, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bon Dieu, venez de l'église là. Hébreu 11, verset 39. Les gens qui vont côté, ils ont essayé de traduire la foi. Je vais vous montrer ça que tu fais. Dans le temps de traduit, Bible là, et puis il arrive à côté et puis il traduit la foi. Et ça que tu fais. Dans le dialecte là, traduit, pas de mots qui représentent la foi. Et puis il y a un traducteur qui dit, il y a une illustration de la foi. Et puis il y a une chaise qui est là, et puis chita sur lui. Hip, comme ça. Chita sur lui. Mais je dis, ça veut dire. Je dis, nous pensons, si je ne crois pas que les chaises à tape, je ne peux pas blaguer comme ça.
C'est parce que je connais chaise la même. Il pas blaguer ma tête, fait me laguer comme sous lui, mais c'est ça la foi. La foi c'est râler corps, laguer sous mon Dieu, quitte au là et puis quitte mon Dieu fait ça la veille parce que mon Dieu pas bras l'école pour le quitter tomber. C'est ça où la foi chouquée, la foi choukboa, la foi réelle. Bon Dieu mène l'église là. Ou pas besoin qu'on sache qui est à gauche, ou pas besoin qu'on sache qui est à droite, ou pas besoin qu'on sache derrière, sache devant. La décor sous mon Dieu. Ou la décor. Pour quitter le Seigneur faire salve. Nous continuons à te chanter ça, oui. Pour couper la gauche, mais le Seigneur quitter le faire salve avec vous. C'est même image. Ti boîte Tampico, ti boîte Fiesta, ti boîte bagay biayo, ti kianan. Nous qu'on la décor sous de l'eau. Moun ki abitue avec l'homme, avec la feuille comme ça, là il boit ici. Avec la feuille ça, là il là-bas. Avec la feuille devant, là il devant. Avec la feuille derrière, là il derrière. Il pas de choix. La foi réelle, là c'est ça lié. C'est la gauche, mais le Seigneur, sans choix. Ou pas de pied choix. Bon Dieu vit ou à gauche, ou à gauche. Il vit ou à droite. Il pousse au devant, ou devant. Il va le derrière, ou derrière. La foi réelle, déposez vie. Non, mais le Seigneur, amène l'église. Je ne connais pas ce que je dis, mais nous parlons parler de la foi. Ça. Pour la guérison, mon Dieu, qui te font salver, ou qui m'a tête trop, ou qui m'a bon Dieu trop, ou qui m'a la vie trop, ou qui m'a trop, qui te bon Dieu, fais chemin. Et si tu as aimé tant de tout le reste de l'évangile, viens à soi. Que mon Dieu bénisse l'église là.